Bonjour les CP, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts à travailler pour cette nouvelle journée d'école à la maison. Aujourd'hui, nous sommes mardi 26 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 26-05-20. Hier, nous étions lundi 25 mai. Et demain, nous serons mercredi 27 mai. Pour commencer notre travail en français, nous allons démarrer sur de la lecture et nous allons refaire le jeu du flash des mots-outils. Rappelez-vous, ici nous avons le mot lorsque. Mais voici, aussi, vers, c'est et cette, maintenant, soudain, milieu, trop. Donc, je vais lancer le jeu. Rappelez-vous la consigne. Vous devez, à chaque fois qu'un mot apparaît, essayer de le lire. Et il faut le lire avant qu'il disparaisse. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Voilà les CP. Donc, il y avait 10 mots. Donc, j'espère que vous avez réussi à lire les 10 mots avant que chacun disparaisse. Comme hier, si vous voulez recommencer à vous entraîner, vous mettez la vidéo un petit peu en arrière et vous recommencez le jeu. Par exemple, cela servira pour les enfants qui se seraient trompés à la lecture de un ou plusieurs mots. Nous allons poursuivre notre travail en lecture. Vous allez devoir prendre votre livre de salto à la page 118 et 119. Et rappelez-vous, hier, nous avons travaillé sur le ER et le EZ qui font E. Lorsque j'ajoute le I devant le ER, donc IER, IE, IED, IE aussi, et IEZ, IE. Votre travail va être de lire l'exercice 1 de la page 118, l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc ce premier travail, c'est pour vous entraîner à bien décoder chaque mot et chaque phrase. Ensuite, je vais vous lancer plusieurs défis. Premier défi, vous en avez l'habitude, ça va être de lire l'exercice 1 et l'exercice 2 en moins d'une minute. Donc vous allez demander à la personne qui vous aide à faire votre travail de chronométrer, de lancer le chronomètre et il va falloir lire ces deux exercices
en moins de 1 minute. Deuxième défi. Vous allez devoir essayer de lire les phrases de l'exercice 3 en moins d'une minute aussi. Donc, même chose, la personne qui vous aide lance le chronomètre, vous commencez à lire la première phrase, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la dernière phrase, et tout ça, il va falloir le lire en moins d'une minute. Je vous rappelle qu'il est très important d'arriver à lire rapidement, puisque comme ça, vous comprendrez mieux ce que vous lisez. Donc, je récapitule votre travail sur la page 118. Premièrement, vous devez vous entraîner à faire l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4. Ensuite, premier défi, l'exercice 1 et l'exercice 2 à faire en moins de 1 minute. Et l'exercice 3 à faire en moins d'une minute aussi. Lorsque vous aurez terminé la page 118, je vous demanderai de lire l'histoire à côté sur la page 119. C'est l'histoire de Robinson Crusoé. Vous allez faire deux lectures. Première lecture, vous allez essayer de lire l'histoire sans chronomètre. Donc, vous commencez au début de l'histoire et vous allez à la fin. Deuxième lecture, vous allez essayer de relire une deuxième fois donc cette histoire, mais cette fois-ci en vous chronométrant. Alors là, je ne vous dis pas qu'il faut lire en moins d'une minute, parce que c'est trop difficile, mais vous lancez le chronomètre, vous lisez, et à la fin, vous arrêtez le chronomètre et vous regardez combien de temps vous avez mis pour lire l'histoire. Ce soir, en devoir, vous réessayerez une autre fois, et il faudra essayer de vous chronométrer encore une fois, donc, mais en mettant moins de temps. Voilà donc pour votre travail en lecture. Nous allons passer à la dictée. Vous allez donc prendre votre crayon à papier, votre gomme et une feuille avec des carreaux ou votre cahier avec des lignes. Dans ma dictée, j'ai mis sept mots que moi j'ai symbolisés par des traits pour bien vous montrer qu'il y a des mots et qu'il y a donc des espaces entre chaque mot. Écoutez bien, je vais vous dire une première fois la phrase. Pour l'instant, vous n'écrivez pas, vous écoutez. Infirmier, boucher, et boulanger sont des métiers. Infirmier, boucher et boulanger sont des métiers. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu que dans cette phrase, il y a des mots que nous avons travaillés hier en dictée. Donc, vous allez devoir essayer de vous souvenir de la manière dont nous avons écrit ces mots-là hier. Dans cette dictée, il y a des mots qui se terminent en et ou en yé. J'espère que vous êtes prêts. Et moi, je commence la dictée. Infirmier. 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 Rappelez-vous, c'est le premier mot de la phrase. Et pour le premier mot d'une phrase, on met quelque chose au tout début, hein. Infirmier. Vous allez mettre une virgule après. Une virgule, c'est un petit signe de ponctuation qui ressemble à ça.
et qui permet, lorsqu'on lit la phrase, de prendre sa respiration, de faire une petite pause, de prendre sa respiration avant de continuer la phrase. Donc, infirmier, virgule, boucher, 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 est, c'est un mot outil, celui qui a deux lettres, infirmier, boucher, est, boulanger, boulanger, faites bien attention au son je dans boulanger. Boulanger, infirmier, boucher et boulanger sont. Alors, une petite précision pour le mot son. À la fin, il y a une lettre muette qui est le T. Donc, je vous la donne, cette lettre, vous l'écrivez à la fin de son. Infirmier, boucher et boulanger sont des, c'est un mot outil qui a trois lettres. C'est comme les ou mais ou t. Donc là, c'est le mot des. Dernier mot, métier. 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 Attention, j'ai dit des métiers. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc peut-être qu'à la fin de métier, il va falloir écrire une lettre pour bien dire qu'il y en a plusieurs. Je répète la phrase. Infirmier, virgule, boucher et boulanger sont des métiers. Et à la fin de la phrase, on n'oublie pas quelque chose pour bien montrer que on a terminé. Je redis la phrase une dernière fois. Infirmier, boucher, et boulanger sont des métiers. Alors, avant de corriger, vous allez regarder plusieurs choses pour vous relire. Tout d'abord, vous allez regarder qu'au début de la phrase, vous avez bien mis quelque chose qui montre que c'est le début de la phrase. Vous allez aussi vérifier que vous avez bien mis quelque chose à la fin de la phrase pour bien terminer la phrase. Vous allez aussi regarder les sons et à la fin des mots infirmier, boucher, boulanger. Rappelez-vous, on peut dire infirmière, bouchère, boulangère. Ça veut dire que à la fin de infirmier, boucher et boulanger, le son E s'écrit d'une certaine manière. Et pour le mot métier, vous allez faire attention d'avoir mis quelque chose qui montre qu'il y a plusieurs métiers. Donc, vous mettez pause si vous n'avez pas eu le temps de terminer. Vous vous relisez. Et maintenant, nous allons passer à la correction. Alors, infirmier. Infirmier s'écrit avec le i et le n pour faire un au début du mot. Et je vous avais dit de faire attention, au début du mot, il faut écrire une majuscule.
Donc, on met un I en majuscule. Et ensuite, on peut continuer à écrire le N pour faire 1. Infirmier, F-I-R pour faire fir, le M et le I-E-R pour faire le IE, infirmier. Pourquoi est-ce qu'il y a le E et le R? Parce qu'on peut dire une infirmière. On met ensuite une virgule. Infirmier, boucher. B-O-U pour faire bou, C-H pour faire ch, et le E et le R pour faire le son E. Pourquoi est-ce que ça s'écrit avec ER? Parce qu'on peut dire une bouchère. Donc le R est nécessaire pour écrire boucher. Et, c'est le E et le T, c'est un mot outil. Infirmier, boucher et boulanger. B-O-U pour la syllabe bou, L-A-N pour la syllabe lan, et pour G, ça va être la lettre G, le E et le R, puisqu'on peut dire une boulangère. Infirmier, boucher et boulanger. Son, S-O-N, et je vous avais bien dit de mettre le T à la fin, c'est une lettre muette. Infirmier, boucher et boulanger, son D. D, c'est un petit mot qui s'écrit D-E-S, comme mais, comme thé, comme lait. Métier. M-E pour faire mais. T-I pour faire métier. E-R. Et je vous avais dit qu'il y a plusieurs métiers puisqu'on dit des métiers. Donc, il est nécessaire de mettre un S à la fin. C'est ce qui montre dans le mot qu'il y a plusieurs métiers. Et on n'oublie pas d'écrire à la fin un petit point pour dire que la phrase est terminée. Infirmier, boucher et boulanger sont des métiers. Si il y a des mots où vous vous êtes trompé, vous allez les recopier comme il faut. Et je demande à tous les enfants de recopier la phrase une fois correctement. Donc vous recopiez cette phrase-là comme il faut, en recopiant le modèle s'il le faut, et vous essayez de ne pas faire de faute en recopiant. Voilà les CP. Moi, j'ai terminé la partie français aujourd'hui. Avant de vous laisser avec Maître Vincent pour la partie mathématiques, je vous rappelle en devoir ce soir, refaites l'histoire de Robinson Crusoé à la page 119 et chronométrez-vous pour essayer de mettre moins de temps que la première fois. Voilà, à demain les CP! Bonjour à toutes et à tous les CP, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 26 mai 2020 au programme de cette séance de mathématiques. Un travail sur le tableau des nombres, une deuxième partie sur le calcul mental où l'on reverra aussi les presque doubles. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons les nombres de 60 à 79. Voici l'affiche que tu vas avoir donc dans les documents que j'ai transmis par mail. Vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez la recopier. Pour la recopier, vous pouvez cliquer sur pause maintenant, par exemple.
Voilà, on va présenter cette fiche. Sur cette fiche, vous avez quatre colonnes. Dans la première colonne, eh bien, il faudra ajouter 1. Dans la deuxième colonne, il faudra retirer 1, enlever 1. Dans la troisième colonne, vous devrez ajouter 10. Et enfin, dans la quatrième colonne, vous devrez retirer 10. Attention, dans cet exercice, vous devrez trouver les résultats en utilisant le tableau des nombres. Pour cela, j'afficherai le tableau des nombres à l'écran, comme ça vous pourrez cliquer sur pause. Avant ça, les élèves qui sont à l'aise cliqueront sur pause quand vous verrez le tableau des nombres. Ceux qui ne sont pas trop à l'aise et qui ont besoin d'aide, laissez dérouler la vidéo puisque je vais vous faire un petit rappel de la manière de trouver les bons résultats. D'accord? Voilà, donc j'affiche le tableau des nombres. J'affiche le tableau des nombres. Vous pouvez cliquer sur pause si vous êtes très à l'aise et trouver déjà les résultats. Allez-y. Voilà, ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils ont besoin d'un petit rappel de la manière de trouver un résultat. Donc, je vais vous rappeler comment on fait pour trouver plus 1, moins 1, plus 10, moins 10. Je prends un nombre, par exemple, le nombre, celui-ci, 36. 36 moins 1, on regarde ce qui se passe quand j'enlève 1. Regardez, c'est le nombre qui est à gauche. Que se passe-t-il quand j'ajoute 1 plus 1? Je trouve le nombre de droite. Vous voyez? Je vais reprendre le même nombre. Toujours 36. Qu'est-ce qui se passe quand j'enlève 10? Quand j'enlève une dizaine, je trouve le nombre en haut. Regardez, j'ai toujours 6 unités, mais j'ai une dizaine de moins. Donc il faudra écrire le nombre du haut. Et si je veux ajouter 10, regardez, c'est le nombre du bas. 36, 36 moins 1, 35, 36 plus 1, 37, 36 moins 10, 26, 36 plus 10, 46. Voilà, je vous laisse le tableau des nombres. Grâce à cette explication, donc vous pouvez cliquer sur pause et trouver les résultats des calculs de la fiche. À vous de jouer. Voilà, vous avez terminé de compléter la fiche de calcul. On ne va pas tout corriger ensemble aujourd'hui. Je vais corriger simplement un calcul de chaque colonne. Alors, dans la première colonne, on va corriger ensemble cette opération. 23 plus 1. Donc, il fallait trouver 23 sur le tableau des nombres, puis ajouter 1. Voilà, on trouvait donc le nombre 24 qu'il fallait écrire à côté. Dans la deuxième colonne, nous allons corriger cette opération. 48 moins 1. Je cherche donc 48 sur mon tableau des nombres et j'enlève 1. Je trouve bien le nombre qui est à gauche. Il fallait écrire 47. Si tu n'avais pas bien compris l'exercice et que tu as fait des erreurs que tu t'en aperçois maintenant et tu voudrais refaire, tu peux cliquer sur pause et refaire tes calculs, hein, refaire l'observation du tableau, tu peux refaire le travail. On passe à la colonne numéro 3. Ajouter 10, on va regarder celle-ci. 58 plus 10. Je dois donc trouver 58 sur mon tableau des nombres. Donc dans la famille des 50 et dans la colonne des 8 unités. Voilà 58. Et je vais... Alors c'était ajouter 10. Donc j'ajoute 10. Regardez, j'ai une dizaine de plus. Je reste dans la même colonne. C'est le nombre qui est en bas. Il fallait écrire 58 plus 10 égale 68.
voyez, c'est juste la dizaine qui va changer. Dernière colonne, retirer 10. On va faire celle-ci, 63 moins 10. 63 moins 10. Donc je cherche 63 dans la famille des 60, dans la colonne des 3 unités. Voilà. Et j'enlève 10. Regardez, je reste dans la même colonne puisque j'ai simplement changé la dizaine. L'unité reste la même. Je trouve bien 53. Voilà. Donc, si vous avez fait des erreurs, vous pouvez reprendre le tableau des nombres. Le voici pour. Et cliquez sur pause pour pouvoir recorriger certaines choses. Si vous avez juste à ces calculs-là, vous pouvez faire vérifier par un parent. S'il y a des difficultés dans le repérage du tableau des nombres, malgré tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail. Si je vois qu'il y a des difficultés qui sont un peu les mêmes chez certains élèves, j'organiserai une classe virtuelle pour qu'on puisse voir ça ensemble. Voilà. On passe maintenant à la deuxième partie de ce travail, la partie sur le calcul mental. Tout d'abord, voici trois opérations à écrire sur l'ardoise ou sur un cahier, et tu vas utiliser du matériel pour trouver la solution. Hier, rappelle-toi, on avait utilisé des pattes qu'on avait déplacées pour voir la réponse apparaître. Donc, encore une fois, tu vas utiliser cette technique pour trouver le résultat de ces opérations. Utilise soit des pattes, soit des billes, soit des jetons que tu vas placer d'une certaine façon. Tu cliques sur pause pour faire les calculs. Voilà, vous avez terminé vos calculs en déplaçant le matériel. Aujourd'hui, on ne va corriger que la deuxième opération. 9 plus 4. Moi, je ne vais pas utiliser du matériel, je vais utiliser une présentation que tu vas voir à l'écran. Mais c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon. Ici, tu peux observer 9 cubes rouges. Tu vois? C'est bien 5 et 4, hein, ça fait bien 9. Et ici, tu peux observer 4 cubes verts. En déplaçant des cubes, on va voir la réponse apparaître. Est-ce que tu es prêt? Regarde bien. Voilà. J'ai toujours 9 cubes rouges. J'ai toujours 4 cubes verts, tu les vois? Mais tu vois qu'ils ne sont plus rangés de la même façon. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître 5 et 5, c'est-à-dire 10. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître 3. Et regarde. 10 plus 3, beaucoup plus facile à calculer. C'est une dizaine et 3 unités. Voilà, 9 plus 4 est égal à 13. Il fallait donc écrire 13 pour cette opération. Encore une fois, c'est pareil que tout à l'heure, je ne vais pas corriger toutes les opérations pour les autres. Si vous avez des difficultés à utiliser les objets pour faire apparaître les solutions, c'est pareil, envoyez-moi un mail, vous me le dites, et comme ça on pourra organiser une classe virtuelle avec l'ordinateur pendant laquelle je pourrai vous réexpliquer, rien qu'à vous, la procédure. Voilà, avant de passer à la suite et de revoir les presque doubles, je te propose un petit exercice pour réviser les doubles. J'ai écrit des résultats d'opérations au tableau. Je vais dire une opération qui est un double, et toi, avec ton doigt, eh bien, tu vas devoir montrer, pointer sur ton écran la bonne réponse. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. 3 plus 3. 3 plus 3, 6. OK. Opération suivante.
4 plus 4. 4 plus 4. 8. 10 plus 10. 10 plus 10. Ça fait 2 dizaines. 20. Très bien. 1 plus 1. Très vite, 2. Très bien. 6 plus 6 égale 12. 9 plus 9 égale 18. 8 plus 8 égale 16. 7 plus 7 égale 14. Voilà, c'est un jeu que vous pouvez refaire avec les parents à la maison pour vous entraîner. Il faut vraiment les connaître par cœur. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Voilà, maintenant qu'on a revu les doubles, on va pouvoir revoir un tout petit peu les presque doubles, ces opérations qui ressemblent à des doubles mais qui n'en sont pas. Je vous en propose deux aujourd'hui. Là, ce 8 n'est pas beau. Voilà. Voilà, deux opérations qui ressemblent à des doubles. Et donc, vous allez utiliser la connaissance des doubles pour trouver la bonne réponse. D'accord? Je vous laisse recopier les opérations. Cliquez sur pause et trouvez la réponse en utilisant les doubles. À vous de jouer. Voilà, vous avez trouvé les réponses à ces deux opérations. On va en corriger une ensemble en utilisant l'image que vous voyez à l'écran. 8 plus 9. Vous observez bien les 8 cubes verts. 8, hein, c'est bien 5 et 3. Vous pouvez voir également les 9 cubes violets. 9, c'est bien 5 et 4. Ça marche. Dans les 9, eh bien, je peux avoir un paquet de 8. C'est lui que je vais essayer de trouver. Pour avoir un 8 ici et faire 8 avec mes cubes violets également. Donc pour cela, eh bien, je vais déplacer mes cubes comme j'ai fait tout à l'heure. Regardez. Voilà. Vous voyez, j'ai simplement déplacé les cubes. J'en ai pas mis en plus, j'en ai pas mis en moins. J'en ai toujours le même nombre. On voit maintenant que 9, c'est 8 plus 1. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit apparaître maintenant? On voit apparaître 8 et encore 8. 8 plus 8, on le connaît, on l'a vu tout à l'heure. 8 plus 8, ça fait 16. Parce que c'est une opération à connaître par cœur. Et il faut que je rajoute 1. Voyez le petit cube là qui est tout seul. Il faut que je l'ajoute lui aussi. 16 plus 1. 16 plus 1, facile, c'est le nombre qui vient après 16, c'est 17. Donc, on dit que 8 plus 9 est égal à 17. Il fallait donc trouver 17 pour cette opération. Encore une fois, si la technique qu'on vient de voir n'est pas claire pour vous, envoyez-moi un message et qu'on puisse voir ça ensemble, qu'on programme une classe virtuelle, hein. N'hésitez pas, c'est important. Évidemment, je ne corrigerai pas l'autre opération. En plus, on l'a vu hier. Vous pouvez aussi revoir un peu la vidéo d'hier si vous avez besoin. Allez, passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette séance mathématique, les nombres
de 60 à 79. Alors, on va d'abord regarder ce nombre-là. Ce nombre, si tu peux me dire son nom, comment s'appelle-t-il? C'est le nombre 60, exactement. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute 10? Regardez bien, je tombe sur le nombre qui est en dessous, comme on l'a vu tout à l'heure lors de notre séance sur le tableau. 60. Quand j'ajoute 10, je tombe sur le nombre 70. Tu vois 70? Alors, les nombres qui vont commencer par 60, quand je vais entendre 60, eh bien, je vais avoir des nombres qui commencent par un 6 ou des nombres qui commencent par un 7. D'accord? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Donc tu vois, ces nombres-là, eh bien, pardon, je le remets, ils vont commencer par un 6. Voilà, les nombres de 60 jusqu'à 69. Après 69, eh bien, on va entendre 70. Tu vois, ce n'est pas la même construction que les autres nombres qu'on avait vus avant. On voit bien qu'avant, chaque dizaine nouvelle avait un nom à elle. On avait la famille des 10, la famille des 20, la famille des 30, la famille des 40, 50, 60. On voit que chaque famille avait un nom rien qu'à elle. Eh bien, pour 70, on va changer un petit peu. On retrouve le nom de la famille d'avant, 60, à laquelle on ajoute 10. On a donc 60, pardon. On a donc 60, 10. C'est très important ça. Donc dans la famille des 70, hein, j'entends bien 10. 10 comme ce nombre-là. Tu vois? Et qu'est-ce que j'ai après 10? Eh bien, j'ai 11, puis 12, puis 13, puis 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eh bien, dans la famille des 60, on va retrouver exactement la même chose. On a dit que ce nombre s'appelait 70. Eh bien, comme après 10, il y a 11, après 70, il y a 60. Et 11. Et comme après 11, il y a 12, après 60 et 11, il y a 72. Puis 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Voilà. On va donc recompter ensemble de 60 jusqu'à 79. Tu es prêt? On va bien compter ensemble. Quand j'affiche une nouvelle case, tu dis son nom. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, attention, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78 et 79. Donc tous les nombres qui sont affichés en couleur sur ton écran commencent tous par le mot 60. C'est le mot qui viendra après qui va nous dire si le nombre commence par un 6 ou s'il commence par un 7. Si je dis par exemple 63, eh bien 63. 60 me dit que ça commence par 6 ou 7,
Mais comme j'ai entendu 3 après, je sais que ça commence par un 6, 63. Si j'entends 73, eh bien, ça commence par un 7 puisque j'ai le mot 13 qui vient après. Nous allons retrouver la même chose sur le tableau des nombres qui est dans les autres classes, hein, dans les classes de CPA et de CPC, avec les dizaines qui sont au début dans la première colonne. On a la famille des 10, la famille des 20, la famille des 30, la famille des 40, la famille des 50, la famille des 60 et la famille des 70. Voilà. La famille des 60, on la voit ici. La famille des 70, elle est là. Encore une fois, chacun des deux tableaux a ses avantages par rapport à la numération. Entraîne-toi bien à lire les nombres des familles 60 et 70. Tu peux cliquer sur pause pour les réciter une nouvelle fois. Voilà, tu as récité les nombres de 60, de la famille des 60 et de la famille des 70. Bravo. On va terminer avec un dernier exercice. Cette fiche que tu vois à l'écran, elle est dans les documents que j'ai envoyés par mail pour cette semaine. Ici, on va s'intéresser à ce que j'entends. On va faire les deux premières lignes ensemble. Toi, tu devras ensuite faire la même chose sur les lignes suivantes. D'accord? On va faire ensemble cette ligne-là et cette ligne-là. Et toi, ensuite, tu devras faire en tout seul les lignes suivantes. C'est parti. Premier nombre, ici. Je vois le nombre 65. Eh bien, je vais m'interroger. Qu'est-ce que j'entends quand j'entends 65? Eh bien, j'entends d'abord 60. 65. Donc, j'entends 60 et puis ensuite, j'entends 5. Donc, voilà comme je vais compléter ma feuille. Encore une fois, vous pourrez l'imprimer ou la recopier, hein. Vous pouvez par exemple écrire comme ceci sur une ardoise ou non, on va écrire avec les couleurs. Vous pouvez écrire comme ceci sur une ardoise ou sur un cahier. 65 égale à 60 plus 5. Voilà. Donc, soit vous complétez la feuille que vous avez pu imprimer, soit vous écrivez comme ceci dans votre cahier. Donc là, on s'intéresse bien à ce qu'on entend. Nombre suivant, il commence par un 7. Donc, j'entends aussi le mot 60 au début. Est-ce que tu te souviens de son nom? C'est le nombre 74. Qu'est-ce que j'entends quand j'entends 74? 60, 14. Alors j'entends bien 60 au début, puis j'entends 14. Encore une fois, on peut l'écrire comme ceci. 74, c'est égal à 60 plus 14. Ça s'entend. Très très bien. On peut même remarquer, par exemple, que dans 60 plus 14, on a 0 unité plus 4 unités. Ça fait bien 4 unités. On a 6 dizaines plus une dizaine. Ça fait bien 7 dizaines. Donc les calculs en ligne qu'on connaît fonctionnent bien. C'est une façon de vérifier aussi. Voilà. J'espère que tu as compris l'exercice que je te demande, hein. Je te demande bien de faire simplement attention aux mots qu'on entend. 65, j'entends 65. 74, j'entends 60. 14. À toi de compléter la fiche. Pour cela, tu peux cliquer sur pause.
Voilà, tu as terminé de compléter ta fiche ou de les écrire sur ton cahier. Je te propose que j'écrive simplement les réponses en répétant le nom des nombres. C'est parti. 63, 63, 60 et 3. Nombre suivant. 60, 18. J'entends 60 et j'entends 18. Nombre suivant, 69. J'entends 60 et j'entends 9. 60 et 11. J'entends 60 et j'entends 11. 67, j'entends 60 et j'entends 7. Dernière ligne, 75, j'entends 60 et j'entends 15. On remarque donc bien que dans tous ces nombres qui commencent par des 6 ou par des 7, qui ont 6 dizaines ou 7 dizaines, je vais toujours entendre le mot 60. Et c'est donc le deuxième mot qui va me dire si ça commence par un 6 ou par un 7. Si j'ai seulement des unités, après, j'entendrai bien 60 qui va commencer par un 6. Si j'ai une dizaine, ici par exemple dans 14, on voit la dizaine, le nombre commencera par un 7. Voilà. Je vous laisse cliquer sur pause si vous avez besoin de corriger ou de revoir la procédure. En attendant, pour moi, la séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que les mathématiques vous plaisent. Je vous souhaite une excellente après-midi. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle séance de mathématiques. Passez une bonne après-midi. Au revoir.